Enfin, c'est des tendances politiques qui leur amènent d'être anti-juifs, mais avec l'identité de musulmans. Pour ces gens-là, je vais vous donner un verset de Coran. C'est le Coran qui dit. Sourate Baqara, c'est-à-dire deuxième sourate, et c'est le verset 47. 47. Là, il dit quelque chose qui est très important. 2000 fois, j'avais dit sur cette antenne, je vais encore vous dire pour que vous sachiez qu'un musulman, d'abord, ne doit pas être, se considérer que son religion, c'est la meilleure, puisque son Dieu, il a dit d'autres choses. Allah. Allah, il a dit d'autres choses. Et c'est vrai que même personne, même personnage, enfin, même phénomène, même phénomène, voilà. Dans le Coran, il a dit que l'islam, c'est le meilleur, patati. Mais il a dit ça aussi. Et ça annule toutes les autres choses qu'il dit en faveur de l'islam, comme quoi, meilleure religion du monde. Je vous lis en arabe, et après je vous traduis, pour que vous ne dites pas, il a inventé par lui-même David. Il dit, Ya Bani Israël. Il dit, oh, les Israéliens, les enfants d'Israël, Ya Bani Israël, Othkuru ni'mati, souvenez-vous du bonheur allati an'amtu alaykum. Souvenez-vous du bonheur que je vous ai donné, le plus grand cadeau que je vous ai offert. C'est quoi? Fadhaltukum alal alamin. Apprenez ça en arabe, mes amis, et dites à tous les musulmans. Fadhaltukum alal alamin. Je vous ai préféré parmi le monde entier. Vous êtes le meilleur parmi le monde entier. Alal alamin. Préféré. Fadhaltukum. Fadhaltukum, ça veut dire je vous ai préféré parmi tous les peuples du monde. C'est ça, c'est le verset du Coran. Alors maintenant, vous venez de dire que l'islam, c'est la meilleure religion, et tout ça, tout ça, le Dieu. En plus, le Dieu, vous ne savez pas c'est quoi. Personne n'a pas su c'est quoi le Dieu. Le Dieu n'est pas là pour, comme un roi, comme un policier, même un policier de quartier. Pas un président, pas un roi. Il ne peut pas bien gérer la fête de cambriolage, de voleurs, des accidents. Il ne peut pas tout gérer. Alors le Dieu, ce que vous pensez n'existe pas. Que si Ryan il est mort, c'est le Dieu qui l'a en cause. Si tu n'as pas gagné le loto, c'est le Dieu. Si on va tout écraser, ce qu'il a dit notre ami, c'est qu'il avait raison. Il avait raison 100%. Mais il répète, il ne faut pas répéter. Abdel, et tu dis une fois la phrase, il faut pas le répéter deux fois. Le Dieu, c'est pas nous, par rapport à ce qui existe dans le cosmos, les autres planètes, les autres patates, nous sommes même pas une petite poussière, mes chers amis, même pas une petite poussière. Voilà. Et je vois c'est qui, on va le prendre tout de suite en direct. Allô, bonsoir, c'est qui? Alors David, c'est Léa parce que je n'ai pas pu entendre.